aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine. C'est le numéro 55. Voilà, Fifi est venue bien sûr avec moi. Alors, d'abord, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Écoutez, il y en a de plus en plus. Ça me fait extrêmement plaisir. Depuis l'anniversaire de la chaîne, donc ça fait moins d'un mois quand même, puisque c'était le 31 juillet. J'ai eu une cinquantaine de nouveaux abonnés. Donc ça, c'est top et je vous remercie tous et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Alors, le journal créatif, bonjour, je rappelle ce que c'est un peu, toujours pour les nouveaux, journal créatif, je vous parle de tout ce que j'ai pu faire dans la semaine au niveau broderie, tricot ou autre loisir créatif que j'aurais pu faire entre deux. Donc, il va y avoir de la broderie, bien sûr, il va y avoir également du tricot. Et aussi des projets, voilà, projets, nouveautés, voilà, comme d'habitude. Désolée, il y a eu une coupure, ça commence bien. voilà, alors, vous savez que lorsque je fais le journal créatif, je fais toujours un tirage avec la roue pour savoir ce que je vais broder dans la semaine. Et donc la semaine dernière, la roue avait choisi pour que je brode alors mon tigre, mon Caroline Manning, mon sâle des ours de Noël de Old Forest, le Halloween Quaker, pardon, le Autumn Quaker, l'aquarium de Lucas, les hérons de la natte. la grenouille de poussière d'étoiles, mon HAED, la japonaise, le sâle Alice au pays des merveilles, c'est un modèle Old Forest, et il y avait également mes duos, Lily Point, le sampler 124 que je fais avec Sonia, l'estampé confiture que je fais avec Armel et... mince. Et Isa, je me suis fait un anti-sèche. Bon, j'espère que mon téléphone ne va pas m'embêter. Il est encore coupé. Donc, je disais les duos. Il y avait Lily Point, le sampler, la confiture. Et ensuite, j'avais également mon estampé, la dame celtique de Noël. Et j'avais mis en réserve également le patchwork Quaker ou patchwork sampler, donc Quaker je crois, et mon long dog sampler, voilà. J'ai aussi mon challenge que je fais pour moi perso, c'est-à-dire que je compte faire à peu près environ 3000 croix par semaine. Et donc, on verra à la fin de la présentation de mes broderies si j'ai réussi mon challenge. Donc, vous commencez à être plusieurs maintenant à faire ce challenge. Je trouve ça sympa. Comme ça, on se motive avec ce petit challenge. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Bon, on va commencer par les estampés, comme ça. Oups, ça, c'est fait. Fifi est couchée sur mon bras. J'aimerais récupérer mon bras. Allez. Ah, merci. Alors, la dame celtique. Alors, j'ai brodé dessus, mais pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de broder. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est déjà fait, vous voyez. Donc, ce qui est en jaune, ce n'est pas encore brodé. Enfin, tout n'est pas encore brodé, puisque là, c'est bon, c'est fait. Vous voyez,
C'est avec un fil métallique doré. Donc là, je brode avec un fil DMC pour... Où tu vas? Allez. Avec un fil DMC doré. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai pas fait grand-chose, mais vraiment, j'ai commencé ma ligne là. Hop. Je l'ai montée là et ici, jusque là. Et j'ai fait un petit peu le bas de la robe. Voilà. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Je sais plus pourquoi, mais j'avais dû stopper. Mais ça va. Je trouve sa jupe toujours aussi belle. Elle est toujours très très belle. Alors, la dame celtique, je l'ai faite quand? J'ai fait dimanche soir. Et malgré que j'ai pas fait grand-chose, on dirait pas, mais il y a quand même 300 croix environ. Je dis bien sûr environ, parce que là, je ne suis pas sur mon pattern keeper, donc je compte à vue de nez ce que j'ai fait, mais il y a plus ou moins 300 croix de fait dessus. Ensuite, mon trio. Alors, pour l'instant, c'est un duo parce que cette broderie-là, Isa l'a déjà brodée. Donc, elle nous rejoint sur la prochaine broderie. C'est la confiture. Voilà. Alors, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en bas, ouais, là, là. Et je crois que j'ai fait le mot confiture. Non, 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 le mot confiture était déjà fait. J'ai fini ma ligne, ma frise qui est ici. Voilà, et j'ai fait les fruits qui sont ici en bas. Voilà. Bon, un petit peu à la fois, hein, mais bon, normalement, il faudrait qu'elle soit finie pour la fin du mois. On est on est le 25. Non, oui. À la date où vous voyez la vidéo, on est le 25. Moi, je suis le 24. Bon, ça fait qu'il me reste 6-7 jours. Oui, 6-7 jours pour la faire. Mais bon, déjà, demain matin, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais broder dessus. Ah, et puis j'ai fait un petit peu le couvercle là. Voilà, ici. Regardez, vous voyez? J'ai fait un des couvercles des pots de confiture. Ouais, il me reste une semaine pour essayer de le terminer. Bon, on verra bien. Mais bon, ça va, hein, c'est quand même assez facile à broder. C'est, y a pas de confetti, rien du tout. Donc, voilà. Bon. Tu vas longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, bon, les estampés, bah, c'est tout. C'est tout pour les estampés. Alors, la confiture, je l'ai faite donc dimanche également. Et j'ai fait 400 croix. Voilà. Fifille, tu es sur mon carnet. Allez, on va se débrouiller, hein. On a l'habitude avec Fifille. On va commencer par quoi? Ça, c'est quoi? Ah oui. C'est bien ce que je pense. Oui. Oui, c'est ça. J'ai avancé, ça y est, mes hérons de chez Lanart. J'adore cette broderie. Regardez-moi ça, comment elle est belle! Elle est trop trop belle. J'adore le réalisme de cette broderie. Donc moi, là, j'ai travaillé la tête ici. Voilà. Hop. Mais elle est vraiment tip top.
Alors là, ça fait un angle, mais c'est parce que c'est une page, ça. Il va y avoir un deuxième héron, vous avez vu sur la photo que je vous ai mis. Bon, Fifi, allez, descends maintenant. Avec la photo que je vous ai mis, vous avez vu qu'il y avait un deuxième héron. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est vraiment top. Regardez le regard que ce héron a. Il est vraiment tip-top. Alors, ce héron, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Quatre cents croix également. J'ai fait 400 croix. Voilà. Alors, dans cette broderie, il y a du point de croix, bien sûr. Il y a de la demi-croix. Il va y avoir, bon là, je ne l'ai pas encore mis. J'attends de terminer cette page-là avant. Il va y avoir également du point arrière. Et il y a du fil mélangé, en plus du fil normal. Ah non, je croyais que j'avais oublié une croix. Il y a du fil mélangé et c'est ça qui donne le relief à cette jolie broderie. Alors, je sais que cette broderie-là, c'est la Narthe. Il l'avait fait en salle il y a 3-4 ans, je crois, je sais plus. Mais voilà. Elle est trop belle. Prochaine broderie. Oui. Du coup, j'avais. Ah! J'ai mon anneau qui s'est mis sur l'aimant. C'est le sale que j'organise sur Alice au Pays des Merveilles. Alors, vous aviez vu la semaine dernière que j'avais rattrapé le retard de l'étape du mois d'avant. Et là, du coup, j'ai attaqué l'étape de ce mois-ci. Mais comment dire que je ne suis pas sûre d'être à jour à la fin du mois. Voilà, j'ai fait ça ici. Le petit portique, les piques. Voilà, les as de pique. Et ici. Donc, il y a encore des choses à broder autour. Mais bon, on verra bien. Mais de toute façon, moi, j'ai l'habitude, hein. J'ai toujours, toujours du retard. De toute façon, sur toutes mes broderies, ou presque, quand c'est des duos, des salles, tout ça, j'ai toujours du retard. Voilà. Mais bon, je m'en fiche un petit peu. Principal, c'est que ça se brode, je fais à mon rythme, voilà. Donc, alors, celle-ci est brodée sur une étamine. Je vous ai pas dit le pour la. C'est sur quoi que je brode les hérons, je sais plus. Ah, c'est sur une Aïda, oui. Ah, ben oui, c'était une Aïda qui était fournie avec le kit. Et c'est une Aïda 5-5. Ouais, 5-5, ouais. Et ici, c'est une étamine 12,6 fils. Voilà, couleur vert olive. Mais ça va, j'aime toujours autant la broder, même si je suis pas trop en avance, mais voilà. Donc là, il me reste. Alors, je vous montre de loin. Ouais, bon, de toute façon, c'est un truc gratuit, donc c'est pas grave. Il me reste la clé, les trucs là, la table. Ça, je sais pas quoi ça ressemble. Des moufles. Ouais, des gants, des moufles. Bon. Voilà. Et alors, je sais pas pourquoi ils l'ont. Ou alors, c'était sur la fois d'avant. Il y a la frise qui est là.
Mais ils l'ont pas mis en. Mais il faut continuer à faire la frise qui descend ici. Vous voyez, on voit là. On voit qu'il y a la frise qui descend. Donc celle-là, je la travaille sur papier puisque j'avais pas réussi à la mettre sur Pattern Keeper. Il y avait trop de manipulations à faire. Donc j'ai laissé comme ça sur papier. Ah oui, je vais cocher tout ce que je vous dis au fur et à mesure, comme ça je suis sûre de ne pas oublier de broderie. Donc je vous ai montré la confiture, la celtique, les hérons. Et donc Alice, celle que je viens de vous montrer, j'ai fait 350 croix. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ça, c'est quoi? Oui. Alors, celle-ci, si vous vous rappelez, c'est un kit qu'une abonnée m'a offert, qu'elle a eu à la maison du canevas. Et c'est un kit de Nova Sloboda. Voilà. Donc avec un joli hibou. Donc je brode là sur une Aïda 16 imprimée. Voilà. Mais je sais que les Nova Sloboda, ils ont des fois des superbes toiles dans leur kit. J'ai vu il n'y a pas longtemps, mais alors j'ai oublié de le noter, il va falloir que je regarde une nouvelle fois la vidéo d'une youtubeuse. Oh, j'ai vraiment craqué sur sa toile, et sur le dessin bien sûr. Donc voilà. Voilà la toile, vous voyez, elle est super belle. Et donc j'ai brodé cette partie ici aujourd'hui, là, voilà. Et ça m'a fait plus ou moins 400 croix. Alors, c'est sur papier, je brode directement avec le patron. Mais alors, d'habitude, c'est très rare que je griffonne sur mes patrons, mais là, j'étais obligée. Mais je pense que je vais essayer d'agrandir parce que c'est très petit pour moi. Alors moi, mon imprimante, je ne sais pas si elle agrandit, sinon je trouve jamais. Mais mon fils a une imprimante plus grosse chez lui et je vais lui demander s'il peut m'imprimer le patron en une taille plus grande. Parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment petit. Alors du coup, je m'installe. Alors comme ça, je vous mets plus haut pour que vous voyez. Je m'installe comme ça sur mes pinces et je mets mon patron pile à côté, comme ça, avec ma loupe qui est au-dessus. Bon, je vois ma broderie et je vois mon patron plus gros également. Donc c'est un peu plus gênant. Je brode moins vite du coup. Mais je vais demander à mon fils, il faut que je lui demande avant qu'il reprenne le travail lundi, pour s'il veut bien m'agrandir au moins, pas tout d'un coup, mais déjà au moins cette partie-là par exemple. Et après, quand j'aurai fini de broder cette partie-là, je lui demanderai qu'il m'imprime le reste, mais je voudrais bien qu'il me l'agrandisse à au moins de deux tailles au-dessus. Voilà. Parce que par moment, j'ai du mal quand même. Mais bon. Que voulez-vous? Il n'a plus 20 ans, hein? Oh, mes yeux n'ont plus 20 ans depuis l'âge de 40 ans, hein? Donc, ah, ça y est.
Combien? Bah, 19 minutes. On est toujours à peu près pareil. Vous avez deviné? Un petit poilu. Il va aller faire pipi. Bon, allez, je les mets tout de suite à faire pipi. Moi, je reviens tout de suite. Et je viens vous continuer à vous parler de ce hibou. Tout de suite. Voilà, le pipi est fait. Le premier pipi. Oui, donc voilà ce que j'ai brodé sur mon hibou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, c'est pareil. Alors, je crois qu'il va y avoir du point arrière. Oui, il y a du point arrière. Non, oui, peut-être, je sais plus. Oui, si, il y aura un peu de point arrière, pas beaucoup. Et il y a ici aussi des fils mélangés. Donc, c'est ce qui donne aussi du relief à la broderie. Bon, là, on ne voit pas encore trop ce que c'est, hein, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la toile. Pourtant, c'est l'Aïda, moi, c'est très rare que je brode dessus. Mais j'aime beaucoup cette toile. Déjà par ses couleurs, elle est vraiment très très jolie. Alors, celle-ci, j'ai fait. Ah, voilà. J'ai fait 400 croix. Non, ça c'est pas là. Attendez, si je mélange mes fils, je les remets là. J'avais des fils qui étaient partis. Je les remets pas avec la bonne broderie. Voilà. Oui, j'ai fait 400 croix pour cette broderie. J'ai hâte qu'elle avance, que je commence à voir sa tête. Ensuite. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer aujourd'hui, mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai travaillé sur mon Caroline Meaning. Voilà. Donc, qui avance doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, j'ai travaillé ici, ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Là, ouais. Là aussi, voilà. Mais très, alors, j'adore le motif, il est vraiment super beau. Alors, j'ai hésité à commencer le point arrière. Dans le carré ici, puis bon, j'ai dit c'est rien, je vais le faire la prochaine fois comme ça, parce que je veux pas faire tous les points arrière à la fin, sinon ça va être très 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 long. Donc la fois prochaine, je pense que j'attaquerai les points arrière, mais déjà dans le carré ici. Voilà. Alors, il y a Armelle qui le brode en même temps que moi. Je vous mettrai la photo de son avancée. Alors, bon, comme elle m'avait marqué, elle n'avait pas beaucoup brodé cette semaine. Elle a d'autres broderies aussi, hein, mais elle n'a pas beaucoup brodé cette semaine parce qu'elle n'était pas traque. Donc, mais elle a avancé. Elle a avancé sa broderie. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de nouveautés encore en ce moment sur le site de Caroline Meaning. Et profitez-en parce qu'il y a des promos qui s'arrêtent à la fin du mois, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez vous broder un petit Caroline Meaning ou plusieurs, profitez de la promo. Voilà. Là, je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est parce que je sais qu'il y a une promo. Donc, je partage l'info avec vous. Donc voilà. Bon, là, moi, j'en rachète pas cette fois-ci. J'en ai encore en réserve des Caroline Meaning. Donc, pour l'instant, je rachète pas.
Voilà. Alors, celui-ci, Caroline Ménning, j'ai fait 268 croix. Je suis arrivée à 3096 croix de brodées. Je ne vous donne pas le pourcentage pour celle-ci, là, les sur Pattern Keeper, puisque je vous avais dit, hein, le fond en 30, en 33,65, oui, je crois que c'est ça. Je ne vais pas le broder, donc le pourcentage n'est pas bon si je vous le donne. Mais donc là, j'ai quand même déjà fait un peu plus de 3000 croix dessus. Alors, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Donc là, c'est bon. Ensuite, mon tigre. Donc, c'est le tigre de chez Lucas. J'ai avancé un peu dessus. Alors, cette semaine, je pense que je vais prendre un quart d'heure. Il faudra peut-être un petit peu plus, mais, pour mettre tous les fils. Alors, je vais. C'est vrai qu'au début, ça m'embêtait pas. Mais voilà, voyez, je vous montre. Ça commence à se mélanger, à. Donc, je vais mettre mes fils sur des trifils. Je vais découper, voyez, je vais découper les petits symboles et je les collerai sur le trifil. Parce que là, je commence à péter un câble. Regardez, regardez-moi ça. Je commence à péter un câble pour les fils. Donc, je vais les mettre sur un trifil. Là, ils sont bobinés, hein, donc ils ne sont pas coupés du tout. Mais je vais faire des. Je vais le mettre sur le trifil, bien tendre. Et puis, à la bonne longueur, je couperai pour faire que des fils à la longueur dont j'ai besoin. Ouais, parce que là, regardez ce que quand j'ai vu ça, alors derrière, voilà. J'ai cru que j'allais péter un câble. Donc, je vais tout mettre sur trifil. Fin de compte, bon, c'est bien de la façon qu'il présente. C'est vrai que bon, je change un petit peu d'avis. Mais à la longue, en plus, comme c'est un ouvrage qui va quand même être assez long à faire. Je vais plus m'en sortir avec les fils. Donc, je vais mettre comme ça sur les trifils et ça ira beaucoup mieux. Je vais mettre aux bonnes longueurs, couper, mettre sur le truc, mettre le symbole et comme ça, ce sera bien. Alors, j'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait. J'ai fait 200 croix. Alors, ben, sur celui-là, c'est ce que je devrais faire pour toutes mes broderies, mais surtout quand c'est des couvertures totales, travaillées par case. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Là, j'avais déjà fait 300 croix, oui, donc 3 cases. Et ici, j'ai refait donc 2 cases. Donc 200 croix. Voilà. Donc j'ai laissé pendouiller un petit peu mes fils pour la case suivante. Je voulais pas les couper, mais voilà. Je fais quand même attention que j'en ai pas beaucoup à parquer. Parce que ça, c'est pareil. S'il y a trop de fils à parquer, je me mélange les pinceaux et voilà. C'est cette semaine. Ah, j'ai pas la photo. Je regarderai si je la retrouve. C'était sur un groupe Facebook. Alors, je ne sais plus si c'est sur le groupe HAED ou un autre groupe, mais anglais, de broderie. Quand j'ai vu la broderie de la dame, j'ai dit, mais comment elle fait?
Mais comment elle fait? Je vais essayer de vous retrouver la photo, hein. Je ne suis pas sûre, mais je vais essayer. Il y a des fils partout. Souvent, quand on pack les fils, voilà, on les met droit, là ou au-dessus, ou comme ça. Mais ils sont tous parqués à la même hauteur. Voilà. Mais là, Noël, il y en a partout. Partout. Mais je ne sais pas comment elle fait pour s'y retrouver. Alors, rien qu'à la voir, j'étais... Ah! Je regarderai si j'arrive à retrouver la photo. Bon, si je ne la retrouve pas, c'est pas grave, hein, mais voilà. Mais quand j'ai vu ça, mon Dieu. Ah non, moi là, je prends la broderie, je la mets de côté, j'y touche plus. Hein. Donc voilà, j'essaye d'éviter de trop parquer. Alors j'ai rebougé ma toile, alors parce que normalement c'était plus ici. Mais donc comme la page que je suis en train de broder, donc elle démarre ici, donc j'ai rebougé ma toile pour avoir bien de la place pour broder. Voilà, puisque le milieu, normalement le milieu est là, vous voyez? Mais du coup, je suis en train de broder dans ce sens-là. Là, bon, j'ai descendu. Voilà. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai descendu. Donc, je vais faire les trois qui manquent là. Je vais redescendre, etc. Voilà. Mais ça va. Bon, je vous dis, j'aurais pu en faire plus, mais voilà. J'ai pas l'impression d'avoir brodé beaucoup cette semaine, mais pourtant, il y a de la croix. Mais voilà, bon, je sais plus que j'étais au docteur. Je suis pas malade, hein. Enfin, pas plus que d'habitude. Je suis allée chez le docteur parce que cette semaine, quand je me suis levée le matin, je me suis aperçue que je m'étais... Alors, normalement, c'est une araignée. Je me suis fait piquer donc par une araignée à la cuisse et au pied. Mais si vous voulez, l'araignée m'a piqué. Alors, il y a des piqûres comme ça. Voilà. En rond, tout autour. Mais moi, j'ai une peau fragile. J'ai une peau à démangeaison déjà d'avance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent des démangeaisons. Bon, souvent, on dit c'est parce qu'on a le sang sucré, mais ça, c'est pas vrai. Hein. De toute façon, je n'ai pas le sang sucré. Je ne suis pas diabétique ni rien. Mais, donc là, ça fait 5... Ouais, ça fait au moins 5 jours passés que j'ai été piquée. Mais je me démange d'une force. Je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dans la peau, l'araignée, mais je ne sais pas, elle devait avoir du venin. Ou... Mais ça me démange d'une force au niveau des piqûres. Donc je suis allée chez le docteur. En plus, c'était son remplaçant. J'aime pas beaucoup, mais bon, il était gentil, ça va. Et donc, il m'a donné un désinfectant pour désinfecter les piqûres et une crème à mettre. C'est une crème à la cortisone. Bon, pour l'instant, ça ne fait pas encore trop effet parce que les piqûres sont toujours là. Mais comme je vous dis, moi, j'ai une peau qui marque. Il suffit que je me fais un petit coup, boum, ça y est, j'ai un bleu. Hein. Alors, je ne vous dis pas, j'ai la cuisse. Toute noire. Alors, les piqûres sont ouais, sur cette dimension-là à peu près, mais je suis noire de bleu comme ça sur ma cuisse. Bon, ça va se passer, hein, mais j'ai hâte que l'été se termine aussi parce que moi, toutes les bestioles, j'attire les bestioles. En plus, je suis allergique aux puces, tout ça. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est que l'été se termine et que toutes les bestioles repartent d'où elles viennent. Mais là, l'araignée, on sait que c'est à 98%
que c'est une araignée, est-ce que Chouchou dort dans le même lit que moi, hein, bien sûr. Et lui, il n'a eu aucune piqûre. Donc, on ne peut pas dire que c'est des punaises de lit. Bon, c'est la mode, hein, en ce moment. De toute façon, je n'en ai pas dans mon lit. Non, c'est une araignée. C'est une araignée, mais voilà. Ah, vous voyez, je suis toujours en train de me... Le pire, c'est que j'étais piquée à la jambe, mais je me gratte de partout. Ça me démange partout. Bon, j'arrête de parler de ça parce que sinon, derrière votre écran, vous allez être en train de... Voilà. Je suis allée au docteur, pharmacie après, mais on a une pharmacie, une énorme pharmacie. Donc, il y a plusieurs vendeuses et vendeurs, enfin, plusieurs pharmaciens et pharmaciennes. Mais il y en a une qui est là depuis des années. Elle prend sa retraite à la fin de l'année. Et quand je tombe sur elle, j'en ai peur. Enfin, elle est super gentille, cette dame. Mais elle est bavarde. Mais elle est bavarde. Alors, elle vous parle à vous, mais elle parle à ses collègues en même temps. Alors, quand c'est elle qui me sert, j'en ai pour une plombe. Bon, ça là, moi, je ne brode pas. Voilà, je perds du temps. Dans ça, plus les courses. Sinon, il n'y a rien. Ah si, on a été à l'hôpital pour Chouchou, mais c'est l'ophtalmo. C'est sa visite des 6 mois. Donc là, c'est pareil, ça durait un petit peu. J'ai dit, la prochaine fois, je prends un tricot hein, ou une broderie. Parce que y a un, je crois qu'il y a un brouilleur ou quelque chose. Fait que je n'avais pas Internet. Donc la prochaine fois, je prends un tricot. Donc voilà, mon petit tigre. J'arrête de dire mes conneries. Et voilà, mon petit tigre. Alors lui, je le brode, vous voyez, sur une toile de lin. C'est du lin 16 fils et blanche, mais opalescente. Donc, c'est-à-dire à paillettes, hein, brillantes. Voilà. Je vous ai dit combien de points? Oui? Non? Peut-être? Je ne sais plus. Vous voyez, moi aussi, je suis bavarde. Hein. Ah oui, 200 croix. Bah oui, j'ai fait 2 cases. Donc, c'est 200 croix. Ouais, donc cette semaine, ou alors peut-être demain, en montant la vidéo, dans ce cas-là. Je vais mettre les fils sur les trifils parce que là non c'est pas possible et les ronds c'est pareil c'est sur des plaquettes comme ça aussi alors je pense que je vais aussi les mettre sur des trifils parce que les ronds sont pas encore prêts d'être terminés hein, donc ça va durer un moment voilà. Dites-moi, vous, justement, quand vous avez des plaquettes comme ça de fil, est-ce que vous laissez comme ça? Vous aimez bien ou vous aimez pas et vous remettez soit en bobinette ou soit sur des trifils? Dites-moi, vous, ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Est-ce que... Oui, ça, j'ai travaillé dessus. Bon, c'est pareil, l'étape du mois. Adjust. Je sais pas, le mois d'août est passé à une vitesse. Ouais, le mois d'août est passé à une vitesse. Mais alors. C'est mes ours de Noël. C'est un sale que j'organise sur mon groupe. C'est un modèle All Forest gratuit. Voilà. Donc, bah, je vous remettrai l'image, hein, ce sera plus simple. Donc là, j'ai encore un nounours. Donc c'est la grand-mère ours, si je ne me trompe pas. Attendez, je crois que je l'ai là. Bien là, quoi. Alors, grand-père ours, papa ours, c'est fait. Papy ours, c'est fait. Le garçon ours, c'est fait. La fille, c'est fait. Ouais, c'est la grand-mère ours. Voilà. Ici. Donc, il me reste à broder ben, ça. Voilà. Grand-mère ours avec ses fleurs autour d'elle. Elle va me dire, ben alors, t'as rien brodé. Si, si, j'ai brodé. J'ai fait la frise ici en bas.
Alors, j'avais oublié de faire les petits points bleus là l'autre fois, donc je les ai refaits. Et j'ai fait ma frise ici en haut. Et il fallait faire le troisième rang ici des sapins. Voilà, donc ça c'est fait. Ah, j'ai oublié, mince. Ah oui, il y en a que deux à faire, ça va aller vite. Regardez, j'ai oublié ça, la petite truc marron. J'en ai oublié un là et un là. Bon, c'est pas grave, ça ira très vite à le faire. Donc voilà, j'ai fait donc les deux frises, moins les deux trucs marrons, mais bon. Donc ça, c'est sur une toile étamine que j'avais gagnée lors d'un concours sur Instagram. C'est de la boutique Tom et Lily Création. J'avais gagné trois ou quatre toiles, je ne sais plus quel teint elle-même. Et celle-là, c'était un peu je ne sais plus le nom qu'elle lui avait donné, mais c'est une couleur jean. J'aime beaucoup. Elle est très souple. C'est du 12.6 fil, mais elle est super agréable à broder. Très très bonne, très très agréable à broder. Alors, mes nounours. 400 croix quand même. J'ai fait 400 croix. Voilà. Donc on verra si cette semaine j'arrive à finir à mettre mon ours. On verra bien. Mais donc le mois prochain, si je... 4, 5. Ouais, le mois prochain, ce sera le dernier. Ce sera la dernière étape le mois prochain. Alors, il y a d'autres salles hein, que j'ai organisées sur mon groupe, mais que moi, je ne fais pas. C'est le salle des 100 chouettes de chez All Forest. C'est pareil, c'est un modèle gratuit. Et le salle de l'île au trésor, c'est pareil, c'est un modèle de chez All Forest. J'essaierai de vous remettre les images. Mais ces deux-là, je ne les fais pas, enfin, tout au moins pour l'instant. Moi, si je les fais, je les ferai plus tard. Voilà. Il faut que je me calme. Alors, les nounours, c'est fait. Le tigre, c'est fait. La celtique, la confiture, ça dégouline. Petite blague. Alice, les ronds. Caroline Menning. Ah, le hibou, je n'ai pas coché. Le hibou, voilà. Alors, dans les petites, enfin, ce que j'appelle petites, c'est sur les tambours ronds, comme ça. Il y en a une que je ne vous ai pas montrée. Voilà, c'est celle-ci. Alors, vous savez que maintenant, d'ailleurs, j'aurais dû vous la montrer en premier. Vous savez que maintenant je fais la broderie du lundi. Alors, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui vont me suivre, qui vont faire pareil. Moi, la broderie du lundi, je choisis une broderie dans celles qui ont été choisies par la roue et je ne fais que cette broderie-là le lundi. Donc, je commence au matin, je termine l'après-midi. Alors souvent je brode, on me l'a déjà demandé, je commence à broder vers, bon, 9h c'est ramé, enfin on va dire plus 9h30 au matin, sauf quand j'ai des courses à faire bien sûr. Je commence à broder vers 9h30 et je brode jusqu'à, bon je fais des petites pauses hein, entre deux, hein, vous inquiétez pas. Je brode jusqu'à 1h, 1h30 de l'après-midi sur une broderie. Et après, j'en reprends une deuxième, donc tout de suite après. Et je la brode jusqu'à 4 ou 5 heures. Ça dépend ce que je suis en train de faire, voilà. Et puis comment je suis lancée. Par contre, des fois, il m'arrive d'en faire trois sur la journée.
Là, cette semaine, j'en ai fait trois. Ben, vendredi, j'en ai fait trois. Et aujourd'hui, j'en ai fait trois également. Ouais, voilà. Sinon, en moyenne, j'en fais deux par jour. Je brode sur deux par jour. Et le dimanche soir, je brode sur l'estampé. Voilà. Et le dimanche matin, quand je fais le montage de ma vidéo, c'est pareil, je fais de l'estampé. Donc là, en ce moment, je fais la confiture. Voilà, parce que bon, c'est plus facile en faisant le montage de la. Parce que l'estampé, je le brode à la main, je veux dire sans tambour, sans rien. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi quand je fais le montage de mes vidéos. J'ai plus vite accès à mon ordinateur, c'est plus simple. Donc voilà, en moyenne, je fais deux broderies par jour. Et quelquefois, bah, j'en fais trois. Voilà. Mais souvent, je brode de 9h30 jusqu'à 4-5h. Voilà. Bon, je vous dis, je fais des pauses entre deux. Hein. Je vais ranger mon lave-vaisselle, je vais mettre une lessive en route. Voilà, quand même entre deux. N'inquiétez pas, hein, je m'occupe quand même chez moi. mais voilà, c'est ma moyenne. Et le soir, souvent, c'est du tricot. Je fais du tricot le soir. Et de temps en temps, je ressors une broderie le soir. Ça va être plus, hein, par exemple, un achat ED ou si c'est une broderie que je dois filmer, comme vous avez eu cette semaine, aujourd'hui même. Voilà, ça, je le fais le soir, ça. Voilà, tout ça pour vous dire que donc maintenant je fais la broderie du lundi et là je ne fais qu'une seule broderie et non-stop, sauf mes petites pauses, mais quand je veux dire non-stop, ce sera celle-là toute la journée pour avancer un maximum sur les broderies qui, c'est pas qu'elles ont pris du retard, mais. Moi, je vais vous dire que ça fait très longtemps que ça fait longtemps que je suis dessus. Voilà, si c'est si ça fait longtemps que je suis dessus, ou alors comme la semaine dernière, j'avais fait un achat ED par contre. Donc là, les achats ED, c'est quelque chose qui va être très long à broder, qui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, j'avance dessus au maximum comme ça. Et donc cette fois-ci, j'avais choisi la grenouille. Voilà. La grenouille de poussière d'étoile. Donc ça fait un petit moment hein, que je suis dessus. Je crois même que ça doit faire 1 an. Il faut que je vérifie les dates, que je mette à jour mon carnet de broderie, d'ailleurs. Il faudra que je fasse ça un soir. Mais je crois que ça fait 1 an que je suis dessus. Ouais, je pense. Ça fait beaucoup là. Voilà. Bon, je sais, hein, c'est parce que je suis multi en cours. Hein. Si je n'avais que 1 an cours ou même 2 ou 3, ça avancerait beaucoup plus vite. Mais bon, je suis comme ça, je ne peux pas me changer. Donc voilà, il est belle hein, ma grenouille. Trop, trop belle. Alors, à l'intérieur de la grenouille, il reste encore quelques croix à faire. Il n'en reste plus beaucoup. Après, là, la plus grosse partie va être ici. Il faudra que je rebouge ma toile pour terminer là. Et là, j'ai surtout brodé donc les branches. Qu'est-ce que j'avais brodé? Ouais, les branches. Dans la grenouille, j'avais fait des croix aussi. Et en tout, j'avais fait. Alors, je trouve que j'ai pas fait beaucoup en brodant toute une journée. J'ai fait 700 croix. Et je trouve ça vraiment pas beaucoup. J'aurais pu faire plus. Mais bon, voilà. Donc, ma grenouille. Alors, ma grenouille, elle est arrivée. J'ai brodé déjà dessus 6659 croix.
Il me reste à broder, parce que là, du coup, j'ai regardé, il me reste à broder dessus 2731 croix. Et je suis arrivée à 70,92%. Donc, il me reste 30% à broder sur cette broderie. Voilà, donc là, on va dire que s'il me reste 2731, il faudrait... Alors, attendez. Tic. Alors, 2731, hein, c'est ça? J'ai dit ouais. Non. Alors, si je rebrode trois fois dessus, il faudrait que je fasse un peu plus de 900 croix. Donc 910 croix à chaque fois. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Donc là, je voudrais mettre un petit challenge sur cette grenouille parce que je vous dis, ça fait quand même longtemps qu'elle est en route. Et j'aimerais bien qu'elle soit terminée fin septembre. On va se prendre ce petit challenge pour que ma grenouille soit finie fin septembre. Donc le 30 septembre. Pari tenu. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'elle soit terminée ouais, bah, dans un bon mois. Voilà. C'est possible, hein. Ah, c'est vraiment possible. Bon, je vous montre pas l'arrière, il est super moche. Oui, je vous l'avais déjà dit, hein, moi les arrières de broderie, je m'en fiche un peu. C'est pareil, cette semaine j'ai vu la broderie d'une personne. J'ai halluciné. J'ai halluciné quand j'ai vu sa broderie. Recto, verso. Pareil, il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas un nœud, il n'y a rien. Le dessin est exact, c'est point de croix devant, point de croix derrière. Voilà, c'est exactement la... J'aimerais bien faire ça, mais j'arrive pas à trouver la technique pour pouvoir broder point de croix au-dessus et en dessous parce que j'aimerais bien essayer. Bon, sur une petite. Hein. Sur une petite, ça me plairait vraiment beaucoup de faire ça. Mais bon, il y a une technique pour le faire, mais il faut que je regarde. Voilà. Bon, ma petite guernouille, comme on dit la schnorr, elle est faite. Niveau des petits, enfin, je vous ai dit, les comme ça, je crois que là, je vous ai tout montrer, ça c'est quoi? Non, là. Alors, à la base, ça fait partie des grandes, mais elle est mise sur un tambour rond. C'est mon Long Dog Sampler, donc c'est le Two Mains Maurice. Bon, j'ai pas brodé beaucoup dessus parce que j'ai brodé dessus, mais en fin de journée, donc en fin d'après-midi, entre 4h et 5h, je sais plus combien de temps j'avais mis, mais c'est pour ça. J'avais envie de refaire quelques croix sur une petite broderie, j'en avais déjà fait deux de broderie et j'avais envie de refaire un petit peu de croix, donc j'ai sorti mon Long Dog Sampler. Voilà. Donc j'ai fait, alors vous voyez, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait cette partie-là. Mais bon, c'est toujours un morceau de fée, hein, comme on dit. Et donc j'ai fait 160 croix. Voilà. J'ai fait 160 croix dessus. Alors à celle-ci, je suis arrivée à 1747 croix, soit 4,44%. Bon, il n'y a pas longtemps qu'elle a été commencée, hein, donc voilà.
Donc celle-là, il y a moi qui l'a fait, il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose, il y a Geneviève et Amélie de la chaîne Dazing et Diamant nous a rejoints pour le faire. Plus on est fou, plus on s'amuse. Donc maintenant, nous sommes quatre à broder ce modèle. Oui, j'aime beaucoup. Alors le fil, je vous le remontre, c'est celui-ci. C'est un fil multicolore, pas le variation. C'est un multicolore DMC et c'est la couleur nuit canadienne. Voilà. Il est trop trop beau. Ouais, celui-là, on l'a commencé 1er juillet. Donc, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Donc là, pour les petites, c'est tout. Je mets en pause 1 minute pour moi, pour vous, 1/10 de seconde. Je remets tout ça dans la malle et on continue à regarder les autres broderies. Recoucou. Je pas, la Fifi, elle dort, mais alors elle ronfle. Alors, avant, je vous remontre. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai mise en ligne ce matin, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai commencé une nouvelle broderie. Très peu. J'ai commencé vraiment pour la vidéo. Je me suis acheté un kit Lanat. Voilà, celui-là. Il s'appelle Home and Garden. Voilà, donc ce sont des orchidées. J'aime beaucoup. Il est petit, donc il va aller vite à faire. Et donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je n'ai fait que ça. Mais c'était juste pour commencer les premières croix en vidéo avec vous. Voilà. Donc c'est une toile imprimée. Voilà, elle est imprimée en machine. Hein. Elle n'est pas teinte à la main. J'aime bien. Je sais pas. Ouais, là, vous voyez bien la couleur. Voilà. Elle est super souple. Très agréable à broder. Alors, eux, sur la boîte, ils me disent que c'est du 10,5 fil. Mais, comme je disais dans la vidéo que je vous ai mis en ligne ce matin, j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est plus du 12, peut-être, ou du 11. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait que je mesure, mais bon, je n'ai pas mesuré encore. Donc, voilà. Et là, chez Lanart, par contre, ils mettent sur des plaquettes. Et là, ça ne me plaît pas du tout. C'est enfin, pas tous les Lanart. Hein. Certains Lanart sont sur les plaquettes, mais ils sont juste mis comme ça, les fils. Donc, ça s'enlève. Donc, moi, j'ai tout remis sur un trifil de poussière d'étoile. Voilà. J'ai tout numéroté derrière. Et au moins, comme ça, mes fils ne partent pas. Je suis tranquille. Alors, il y a un fil doré. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se mettre le fil doré encore. Je n'ai pas regardé, mais bon. C'est pas grave. C'est peut-être pour faire le point arrière, ou je sais pas. Donc, voilà. Donc, celle-là, elle est juste attaquée. Je vous dis, je l'avais commencé pour la vidéo. Allez voir, c'est la vidéo juste avant. Comme ça, vous verrez, je vous la présente en détail et je commence à la broder avec vous donc en vidéo. Alors, il y a une partie un petit peu en blabla et la deuxième partie qui est en musique. Voilà. Donc, celle-là, ce que je l'ai marqué, celle-là. Non, je ne sais même pas combien j'ai fait de croix.
Alors, ah oui, c'est des cases de 5. J'ai fait 5, 10, 15. Oui, j'ai fait une 20, 20, 30, 20 ou 30 croix seulement. Voilà. Pas énorme, mais bon. Donc voilà. Alors, celle-là, je vous l'ai montrée. Maintenant, oui, celle-ci. Mon sac. C'est mon duo avec Sonia. On a fini notre premier carré. Youpi! Alors, moi, je l'ai fait en deux fois cette semaine. Moi et Sonia, on décide de faire 300 croix par semaine. Pas 301 ni 310. On fait 300 croix par semaine. Cette semaine, on s'était dit, on verra si on termine le carré ou pas. Et il restait pas beaucoup de croix à faire pour terminer le carré. Il devait en rester à peu près 160, 168 peut-être, je ne sais plus. Donc, on l'a terminé. On a fait nos 300 croix plus les 160 environ. Et du coup, notre premier carré est terminé. Voilà, donc ça c'est le sampler 124, c'est le nom du sampler, pardon. Voilà, là vous voyez bien. Alors, on le brode uniquement en fil étoile. Moi, je le brode sur une étamine 12,6 fil couleur bleu canard. Sonia le brode, voilà, je vous mets la photo. Sonia le brode sur une étamine 12,6 fil, mais couleur rubis. Tiens, tiens, je disais qu'elle ronflait, mais ça n'a pas de. Tu peux te pousser? Oh! Merci. voilà. Donc, Sonia le brode. Alors, j'ai plus la référence en tête, mais c'est un gris clair. Et moi, je brode avec deux bleus différents. Donc, un bleu marine, un bleu turquoise. Et je fais les encadrements en jaune. Donc, tout est fait en fil étoile. Et alors, je ne sais pas si j'arrive à vous. Si, vous voyez, ça brille. Voilà. Alors, en tout, je vais le poser parce que. Allons, ah c'est lourd. Oui, mais excuse-moi, Fifi, hein, si je te dérange, tu me le dis. le sampler. Alors, on est arrivé du coup à 10,05% et on a brodé 3924 croix en tout pour ce carré. J'ai fait. Alors, je l'ai mis où? Tout, 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 tout. J'ai partagé les cases. Alors, je vous montre. J'ai partagé les cases. Voilà, avec des numéros. Et donc, à chaque fois qu'on va terminer un carré, moi ou Sonia, on va en tirer un au sort. Pour savoir lequel on va faire la fois prochaine. Voilà, donc nous, la semaine prochaine. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des carrés où là, j'en ai mis deux, par exemple, parce que c'est vraiment des petits. Là aussi, j'en ai mis deux. Voilà. Quand c'est vraiment trop petit, ben, j'ai laissé deux carrés dedans. Donc, nous, on vient de terminer celui-ci. Et j'ai fait un tirage au sort. Alors, je vais vous le montrer. J'ai fait un tirage au sort
hors caméra tout à l'heure pour savoir la case que l'on allait broder. Alors. Ah, voilà. Lire la vidéo. Oh. Attendez. Cette son parce que quand je l'ai fait ça m'a enregistré la télé. Alors lire la vidéo, voilà, excusez-moi, je recommence et on va faire la case numéro 10. C'est noté Sonia, la case numéro 10. Alors je vous montre la case numéro 10. Hop. Donc, on va faire ici, voilà, celle-ci. Donc, il va y avoir les deux petites cases. Alors, je vais essayer d'agrandir, voilà, on verra mieux. Il va y avoir deux petites cases plus la petite bordure qui est là. La petite frise. Donc, ce qui est noir ne se brode pas, hein. C'est la couleur de la toile du dessin. Nous on brode tout ce qui est en blanc. Voilà Sonia, tu regardes. On fait la case 10. Voilà, donc je sais pas le temps qu'on va mettre pour la faire, hein, mais on verra bien. Le principal c'est de prendre du plaisir, de toute façon on n'est pas pressé, hein. Moi, là, je vais faire tout de suite l'encadrement en jaune et après, je broderai à l'intérieur les motifs. Voilà. Donc, ça, c'est fait et je vous ai dit. Donc, en tout, on a brodé. Alors, 3, ça fait 4. J'ai fait 468 croix pour celui-là. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est dans celle-là? Non, c'est pas dans cette pochette-là, c'est dans l'autre. J'aime bien ces sacs pour mettre les grandes broderies. Alors, souvent on me demande où est-ce qu'on les trouve. Vous allez sur VIP Cross Stitch, vous les trouvez. Hein. Tac. Celle-là, j'ai fait mes pans royaux, donc c'est un modèle All Forest, c'est un modèle payant, hein, celui-là, mais je ne sais plus à combien je l'avais eu, 8 euros je crois, un truc comme ça en PDF. Donc voilà où j'en suis, et aujourd'hui j'ai brodé cette partie-là, voilà, je suis en train de broder la frise qui est là. Mais je l'ai. Alors, je ne sais pas si. Là, c'est grand. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Ça ne veut pas. Bon, croyez-moi sur parole, c'est du fil étoile. Donc, tout est brodé en référence 555. Donc, vous voyez, ça fait un violet foncé. Le fil étoile, c'est du 555 également. Du C555. Donc, en fil étoile, ben, je suis en train de faire la frise, là. Et j'avais fait ici les arabesques. Voilà. Donc, je mets des petites touches à droite, à gauche. Donc là, bien sûr, il va y avoir la même frise ici. Donc, elle sera faite également en fil étoile, bien sûr. Voilà. Donc, celle-ci est faite sur une toile étamine 12.6 fils. Rose vintage, voilà, donc c'est un rose marbré, elle est très jolie comme toile. Quand on la voit en vrai, c'est encore plus joli qu'à l'écran. Voilà. Mais j'aime bien, j'avance bien. Donc là, j'avais fait, alors je l'ai fait quand celle-là, ben, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, je l'ai fait en fin de journée. Et j'ai... Enfin, quand je dis en fin de journée. Aujourd'hui, j'ai fait 3 broderies.
Et celle-là, je l'ai faite vers 3-4 heures, ouais, 3 heures, je crois. Et j'ai fait 287 croix. Et je suis, donc en tout, j'ai déjà brodé 6129 croix. Je suis à 19,10%. Voilà, donc j'arrive au 20% de la broderie. Donc c'est pas mal. Oui, comme je ne peux rien vous dire d'autre dessus. Hein. Juste que c'est un joli modèle. Donc là, bien sûr, vous voyez, ce sera que du monochrome. Mais avec deux fils différents, donc un moulinet coton DMC en 550 et un fil étoile DMC également, donc en 550 aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Mais mes préférences, justement, bon, vous voyez, c'est un peu, je brode un peu de tout. Mais ma préférence, c'est vraiment ça, c'est les broderies anciennes avec des quakers, des samplers, des... Voilà, ça c'est ce que j'adore faire. Bah, comme mon Languedoc sampler, donc celui-là, le sampler 124, voilà, ça c'est des broderies que j'adore faire. Que les autres, j'adore toutes mes broderies, hein, sinon je les broderais pas, hein, bien sûr. Mais voilà, ma première préférence, c'est ça, c'est ce style de broderie, j'aime beaucoup. C'est ce que je faisais le plus quand j'ai démarré la broderie, quand j'ai commencé à faire des grands modèles. C'est ce que je brodais le plus, j'aimais beaucoup. J'en ai d'ailleurs par là deux ou trois, quatre peut-être. Qui sont mis au mur. Voilà, j'aime bien ça. Alors, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, je vous l'ai montré. Là aussi. Ah oui, là, je l'ai coché, c'est bon. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Là, oui. Ah non, celui-là. Ah ben, je ne l'ai pas pris. Je reviens, je vais le chercher. Me revoilà. Ouais, celle-là est emballée dans une pochette à part et du coup, j'ai oublié de la prendre. Hop, c'est mon HAED de la japonaise. Voilà. Alors, attendez, je remets bien ma toile. La voici. Hop, attendez. Voilà, la voici. Donc, j'ai brodé tout ce qui est noir. Et ça, c'est ça, la chevelure de la japonaise. Je suis contente. J'y arrive. Je suis contente d'arriver là. J'étais super contente quand j'ai vu que je commençais à broder ses cheveux. Bon, je vais continuer là aussi, hein, mais voilà. Donc, comme je vous avais expliqué, je ne brode plus en diagonale, en fin de compte. J'essaye de broder mon fil entier et puis je brode au fur et à mesure, voilà, du motif. Je préfère comme ça, j'avance plus. Enfin, je trouve que j'avance plus. Bon, ce qui fait qu'il faut compter un peu plus parce que vous voyez, comme là. Là, il faut faire attention, il faut bien compter où il faut mettre sa croix. Mais sinon, c'est bien. Mais là, je suis contente. Alors, c'est le Mini Asia Fantasy 2. Oui, je crois qu'il y a le chiffre 2. Voilà. 89 couleurs, si je me rappelle. Voilà, donc c'est pas un gros HAED, hein. Mais voilà. Alors, j'ai fait. J'ai brodé 316 croix. Ah bah, c'est le jour qu'on a été à l'hôpital, donc je n'ai fait que celle-là, ce jour-là. J'ai fait 316 croix.
J'ai déjà brodé 4925 croix et je suis à 6,52%. Voilà. Donc là, je brode sur une étamine 12,6 fils quadrillée. Voilà. Donc c'est une toile que j'avais eue à la boutique de mère en fille. Elle existe comme ça en étamine 12,6 fils et elle existe en Aïda. Je crois que c'est de l'Aïda 7, si je me trompe pas. Voilà. Je profite en même temps, du coup, en parlant de mère en fille. Oh, c'est le vent. Il y a un vent aujourd'hui. Si vous n'avez jamais commandé sur la boutique de mère en fille, envoyez-moi un email ou un message privé si vous avez mon Facebook et vous me donnez votre nom, votre prénom et votre adresse email et je vous enverrai une invitation. Alors surtout, ne vous inscrivez pas avant à la boutique, hein. Vous attendez que je vous envoie l'invitation et comme ça, vous recevrez une réduction de 15% sur votre première commande pour un montant de 30 euros minimum. Voilà. Et moi, grâce à... Je m'en cache pas, à chaque fois je vous le dis, mais à chaque partenariat que je fais, moi, ça me donne une petite cagnotte sur la boutique et ça me permet d'acheter des toiles, des aiguilles, du fil. Voilà. D'ailleurs, cette semaine, je pense que je vais faire une commande. Donc, voilà. Et je vous remercie tous pour vos partenariats. donc, voilà. Ici, contente. Contente, contente, contente. J'ai hâte que ça avance. Mais c'est vrai, les achats ED, c'est très long. Là, je vais bientôt en préparer un nouveau que l'on m'avait offert et devrais le commencer au mois d'octobre. Voilà, donc avec Ludovic. Et il y a Amélie qui va nous rejoindre également, donc de la chaîne Désigne et Diamants, qui va nous rejoindre pour le faire également avec nous. Voilà. Mais je vous montrerai, je vous ferai une vidéo hein, de présentation et de préparation comme je fais d'habitude. Alors, niveau point de croix, est-ce que j'ai tout montré? Oui, celle-là, je vous l'ai montré. Voilà. Oui, ben, au niveau point de croix, je vous ai tout montré. Alors, mon challenge. Donc, je vous disais, mon challenge, c'est de faire au moins 3000 croix par semaine. Cette semaine, j'ai fait 4679 croix. Je suis contente. Voilà. J'ai fait une moyenne de 700 croix par jour à peu près. Voilà. Il n'y a que le mardi où j'ai fait beaucoup moins, mais ce jour-là, on était à l'hôpital pour l'ophtalmo. Mais en moyenne, il y a à peu près 700 croix par jour de fait. Je suis contente. Alors, maintenant, je vais vous. Alors, je referai peut-être une vidéo hein, sur ça, mais je vais déjà vous en parler ici. Le gang des Québécoises, voilà. Comme j'aime les appeler. Donc, dedans, il y a Sonia, il y a Amélie, il y a Geneviève, Nancy, Mélanie, Pascal. Excusez-moi si j'en oublie, les filles, désolée. Ah oui, ça, je vais vous en parler après, du coup. Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est Sonia, je crois. En septembre, on va faire un challenge, enfin, oui, c'est comme un challenge. Et on va, alors, elle m'a dit de le dire en anglais. On rigole pas de mon anglais. Ça va s'appeler le September Sampler Quaker. Voilà. C'est-à-dire que en septembre, on va broder
principalement. Alors, comme moi j'ai dit, je continuerai quand même à broder mes obligatoires, c'est-à-dire mes duos, voilà. Mais pour tout le mois de septembre, on va broder au maximum toutes nos broderies qui représentent des Quakers, des Samplers. Voilà. Et aussi les patchworks, pas un patchwork couture, hein, les patchworks broderies. Voilà. On va broder ça tout le mois de septembre. Donc, moi, il va y avoir le Halloween Quaker, le Long Dog Sampler, le Patchwork, le Sampler 124. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'ai encore? Mes pans, oui, les pans royaux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Mon Autumn Quaker. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va faire ça tout le mois de septembre. Voilà. Donc, on est déjà plusieurs. Bah, déjà tout le gang des Québécoises, plus moi, plus une ou deux filles. On va faire ça. Et puis, ça va être bien. On va avancer sur nos ouvrages. donc voilà, mais je viendrai vous en reparler plus longuement dans la semaine et je sais que Sonia va faire une vidéo également. Je crois qu'elle sera en ligne demain, la vidéo. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Attendez, je regarde. Alors. Oui, lundi. Elle sera en ligne lundi. Voilà. Donc, je vous en reparlerai plus longuement cette semaine dans une vidéo. Je pense que j'ai tout dit pour la broderie. Alors, pour l'instant, je ne mets rien en route. Non, bah, j'ai mis les orchidées hier en route. Je ne vais rien mettre d'autre en route pour le moment. Excusez-moi, je bâille, c'est pas bien. Il est quelle heure? Oh, 22h30, ça va. Et 1h22 de vidéo. Ouais, je crois que j'ai tout. Alors, si, on va, malgré que septembre, on va faire. Nos Quakers, tout ça, il nous reste quand même une semaine en août. Donc, on va faire un petit tirage au sort. Alors, normalement, j'ai remis ma roue à jour. J'espère ne pas avoir oublié d'ouvrage dans ma roue. Et on va faire comme. Alors, je vais prendre mon cahier à côté de moi, mon stylo. Et on va faire le tirage au sort des broderies que je vais faire cette semaine. Donc j'en tire, comme d'habitude, je vais en tirer 10 au sort et après je mettrai mes petites réserves. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Première broderie. Ah bah, ah non, ce sera le hibou. Le hibou, allez, je le mets de côté. Deuxième broderie. Caroline Manning.
S'il en manque un, mais je le fais pas pour l'instant, donc c'est pas très grave. Le Autumn Quaker. Voilà. Ensuite, allez, Pan Royaux, décidément. Voilà. Ma broderie du nouvel an, mon Dieu, qui est c'est même plus du retard dessus là, c'est même plus un retard, c'est carrément aux oubliettes. Mais bon, la roue l'a choisi. Ah, le colibri, lui aussi, il est très en retard. Le colibri, d'ailleurs, le sale est terminé. Hein. C'est un sale que moi j'avais organisé. Il est fini. Hein. D'ailleurs, j'organise un nouveau sale. J'en parlerai en septembre. Il commencera en octobre. Avec une broderie de poussière d'étoiles. Voilà. Donc, restez à l'écoute. Pour en savoir plus. Le patchwork. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben, la charolaise, la japonaise. Excusez-moi. Ah, j'ai oublié d'effacer le colibri. Ben, c'est rien. S'il retombe, je le retirerai. Le Bouddha. Donc, celui-là aussi, c'est une broderie de poussière d'étoiles. Alors, j'en suis à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, un petit dernier pour la route. Ah ben, les ours de Noël. Voilà. Voilà. Alors, donc, par contre, je n'avais pas mis dedans hein, des estampés. Non. Il va y avoir des plus quand même. C'est-à-dire, alors, au niveau des duos, ça, c'est des obligatoires. Donc, je n'ai pas fait cette semaine mon lit dit point. C'est normal. J'avais discuté avec Céline, la brodeuse qui fait en duo avec moi le lit dit point. Elle a eu beaucoup, beaucoup de travail à son boulot. Elle a fait beaucoup d'heures. Et bah, du coup, elle est tombée malade. Donc, elle était vraiment patraque. Elle m'avait demandé si je pouvais mettre en stand-by cette semaine. Bah, le temps qu'elle se repose. Et voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc, cette semaine, je n'ai pas brodé les points. Vous avez bien vu.
La semaine prochaine, bah, si elle va mieux et qu'elle me dit c'est bon, je reprends ma broderie, ben, on reprend notre broderie. Si elle veut encore une semaine pour se reposer, moi, il n'y a pas de souci, la broderie est là, elle attend. Voilà, je suis pas pressée, hein. Donc, vaut mieux qu'elle se remette bien, qu'elle soit en meilleure forme. Voilà. Voilà. Et on refera la broderie ben, quand elle me le dira. Donc, soit cette semaine ou soit la semaine prochaine. Mais je me le marque sur le carnet. Juste au cas où elle me dirait que c'est OK. Voilà. Ensuite, ben, il y a la confiture. Ça, il n'y a pas. Je le fais. Et niveau du haut. Ben, le sampler, ben oui, le sampler 124 que je fais avec Sonia, ça c'est un obligatoire, donc je le fais. Au niveau du haut, c'est tout, je crois. Oui. Je me mets donc en réserve. Alors, vous pouvez voir que la semaine dernière, il y en a trois que j'ai pas fait, mais j'en avais fait d'autres. Je n'ai pas travaillé sur l'aquarium, sur mon automne Quaker et sur l'Halloween Quaker. Mais j'avais fait d'autres broderies à la place, donc voilà. Donc, en réserve, oh là là, mais je crois que mon stylo, il commence à... Il bave. En réserve, donc je me mets le. Attendez. Hop. Je vais essuyer la pointe parce que je vais mettre de l'encre partout. Voilà. Excusez-moi, petit problème technique. je me mets en réserve. Quoi, j'ai dit? Je sais plus. Je me mets en réserve quel mode? L'automne Quaker, je l'ai choisi. L'Halloween. Ah ben, je me mets l'Halloween. Oui, je ne l'ai pas choisi. Donc, je me remets en réserve. Si j'ai du temps pour refaire une broderie en plus, c'est ça. Je me mets l'Halloween. Et je me mets... Alors, j'hésite entre le tigre ou l'aquarium. Cette semaine, j'ai fait le tigre. Donc, je vais me mettre l'aquarium. Voilà, comme ça, si j'ai du temps supplémentaire, ben, j'ai deux broderies en plus. Et j'ai également... Ouais, il faut que je me fasse une roue. Enfin, non, je ne vais pas me faire une roue pour ça. Je vais l'écrire en bleu. Mon estampé. Alors, qu'est-ce que je ferais bien? J'ai le cerf, la dame celtique ou le cheval. Je vais mettre le cheval, ça fait un bout de temps que je n'ai pas été dessus. Ouais, on va faire le cheval. Alors, l'estampé. Donc ça, ce sera pour dimanche soir. Le cheval. Voilà. Donc, dans tout ça, je vais me choisir une broderie pour ma broderie du lundi. Alors, j'ai... Bah, vous savez quoi? Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas brodé, je vais prendre le nouvel an. Mon sale du nouvel an. C'est plus raisonnable. Voilà, alors, hop, le nouvel an, ce sera ma broderie. Du lundi, voilà. Comme ça, au moins, je vais avancer dessus parce que j'ai fait un, deux, trois cases, enfin trois étapes ou quatre, je sais plus. Mais voilà. Donc, ouais, c'est ce qui est le plus raisonnable, si on, puisque là, de toute façon, mes broderies du lundi, c'est pour avancer des choses qui sont en retard. Donc, c'est tout à fait dedans. Alors là, je me marque lundi.
Allez, je vous répète. Le hibou, mon Caroline Manning, mon Autumn Quaker, les pans royaux, le colibri, le patchwork sampler, Quaker plutôt, oui, patchwork Quaker, mon HAED, la japonaise, mon Bouddha de poussière d'étoiles, mon salle des ours de Noël. Pour la broderie du lundi, ce sera mon salle du nouvel an. Voilà, c'est, je le fais avec un kit Riolis. Et mes duos, il y aura le Lily Point, si Céline va mieux. Ma confiture, pour avec Armel et Isa. Et le sampler 124 avec Sonia. Donc, ces trois derniers, ces trois obligatoires, ces trois que je fais vraiment chaque semaine. Et si je trouve qu'il me reste un petit peu de temps, je ferai mon Halloween Quaker ou et mon aquarium. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Et mon challenge, bien sûr, ça je me le note toujours, mais je le sais, hein. Mon challenge des 3000 points pour la semaine. Donc, on va essayer de le dépasser comme d'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis tout noté. Je ne triche pas. Vous voyez, ça a bavé. Voilà. Donc, tout ça, cette semaine. Il faut... Alors, je vais vous dire comment on dit dans le Nord. Il faut saquer dedans. Voilà. T'as vu, Sonia? En patois. L'autre jour, j'ai fait rigoler Sonia par message. Parce que moi, elle a des expressions au Québec et ça me fait rigoler aussi. Et je lui dis, attends, je vais te je lui ai écrit des phrases en patois du Nord, en ch'timi. J'aurais voulu voir sa tête, mais malheureusement, je ne l'ai pas vue. Et par contre, sa fille avait lui avait dit, demande-lui qu'elle le parle. Donc, que j'enregistre du ch'timi pour qu'elle l'entende. Elle fait, c'est quoi ça? Ah là là. Bon, une pause de 2 minutes pour moi, le temps que je range. Une demi-seconde pour vous, comme d'habitude. Et on passe au tricot. Me revoilà. Bon, j'ai juste rangé dans les sacs, je remettrai en place après. Mes tricots. Alors, j'ai carburé cette semaine. Vous allez voir. Parce que ben, j'ai envie d'avancer mes tricots. Voilà. Je commence par le dernier. Vous savez, celui que j'avais commencé alors que j'avais dit que je ne commencerai pas de nouveaux tricots. Je le remets sur ma page. C'est le pull dufteux. Donc, c'est le M1741 de Bergère de France que je tricote avec le fil flocon. Voilà. Coloris hussard. Voilà. Alors, c'est... C'est tout moelleux, c'est tout doux, c'est tout... Un vrai nounours. Alors, c'est une laine qui se tricote, mais alors, un plaisir pour la tricoter. J'adore. Hop, non, viens là, toi. Ben alors, ah, ça c'est le reste de ma pelote. J'ai avancé. Regardez-moi ça. Voilà mon tricot. Alors, oh, c'est un bonheur à tricoter. Mais vraiment, c'est vraiment un bonheur. Ça va tout seul. Alors, je tricote avec des aiguilles numéro 5. Donc, c'est du jersey, hein. C'est un océan de jersey, mais vraiment là, super agréable. Ça pique pas. Non, ça pique pas du tout. C'est super léger.
Voilà. Je vous montre. Alors, en tout, j'ai fait. Alors, j'ai pas marqué. J'ai fait en plusieurs fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 rangs. J'ai fait 25 rangs cette semaine sur ce pull. Alors, comme je vous avais dit, alors j'ai fait mes petites notes. Par contre, moi, je le rallonge de 14 cm. Voilà. Parce que sinon, c'est un pull court. Et moi, les pulls courts, il n'y a pas question. Hein, je vous l'avais déjà dit, il faut que je range mon bidou. donc voilà. Donc il va y avoir 14 cm en plus. Normalement, l'emmanchure, le bas de l'emmanchure se fait à 26 cm. Et donc moi j'ai choisi de le faire à 40. Ouais, parce que 26, c'est même pas la peine. Hein. Je mets pas le pull. Hein. Voilà. Donc, et encore, je vais voir un hein, 40. Je verrai sur moi ce que la hauteur de l'emmanchure que ça va donner. Si je vois que j'ai besoin de encore quelques centimètres, ben, je referai quelques centimètres. Mais voilà. Mais un vrai bonheur à tricoter. Regardez-moi ça. Alors, vous voyez, c'est vraiment léger parce qu'on voit un petit peu en travers, vous voyez. Mais une fois qu'il sera porté, on ne verra rien. Hein. Donc en bas, c'est un bord-côte, hein, bien sûr. C'est des côtes 2-2, ou une. Attendez, je ne sais plus. 2-2, c'est des côtes 2-2. Voilà. Mais vraiment, un bonheur. Donc, je vais remettre mon marqueur là-haut pour vous montrer la semaine prochaine où j'en serai arrivée. Mais vraiment, nickel. Alors, en parlant de Bergère de France, je vais vous faire une vidéo cette semaine. On a reçu, vous savez, le petit catalogue avec les échantillons de laine. Alors, si vous ne l'avez pas encore reçu, que vous l'avez demandé, que vous l'avez, ne vous inquiétez pas, hein, c'est envoyé. Sur une certaine période, donc il y en a qui l'ont déjà reçu. Moi, je ne l'ai pas reçu le premier jour, hein, je l'ai reçu 4-5 jours après, et ça continue d'arriver. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas encore reçu, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Alors, par contre, si vous ne l'avez pas demandé, il suffit de téléphoner. Là, vous téléphonez à Bergère de France, parce que si vous le faites sur le site internet, ce sera pour celui de l'année prochaine. Vous téléphonez à Bergère de France pour qu'il vous l'envoie. Et du coup, en ce moment, on a. Alors, la nouveauté, ouais. Sur ce livre d'échantillons de laine, bah d'ailleurs, attendez, je vous montre juste la couverture. Hein. Je ne vais pas vous montrer le détail. Hop, il est juste là. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, donc avec tous les échantillons de laine. On a sur le site internet, en ce moment, si on passe commande, dans le livre, si vous voulez, il y a l'équivalent de 3 livres, je crois. Ouais, de 3 livres. D'habitude, il n'y en a qu'un seul. Maintenant, il y en a 3. C'est-à-dire qu'il y en a un femme. Il y en a un femme et homme, et il y en a un spécial enfant. Si vous passez commande en ce moment, déjà, si vous commandez pour plus de 59 euros, vous aurez une réduction de 15 euros. Mais il y a des laines qui ne rentrent pas dans la réduction. Donc, ne commandez pas de la Barisienne, des choses comme ça ne rentre pas dans les 15 euros. Puis moi, il y a une laine que je voulais, il n'y a pas moyen qu'elle passe. Je vais leur téléphoner justement pour demander s'il n'y a pas un petit bug. Voilà, donc si vous passez commande, déjà vous aurez un catalogue gratuit. Donc vous avez le choix entre les 3. Vous choisissez celui que vous voulez.
Et après, bah, si vous voulez les deux autres, vous les achetez. Mais bon, moi, j'ai pris gratuit le femme. J'achète, parce que ma commande est déjà dans mon panier, j'achète le femme-homme, mais enfant, non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, voilà. Donc, vous en avez un gratuit au choix. Donc, un des trois. Et après, si vous voulez acheter les autres, vous les achetez. Ils sont au prix de 8 euros. Et donc, vous avez 15 euros de réduction sur votre commande en plus. Et ça, c'est jusque 29 septembre, je crois, un truc comme ça. Donc là, je vous ferai une vidéo cette semaine pour vous montrer en détail. Du coup, moi, j'ai envie de me faire un pull. Donc, j'ai choisi un autre pull que ben, y a la laine qui passe pas là, je vous ai dit. Non, je vais pas le mettre là, je vais mettre là. Du coup, j'ai un autre pull que j'ai envie de faire. Là, ça va, du coup, les 15 euros ils passent, heureusement. Je vais vous le montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, moi, c'est déjà dans mon panier et ce pull fait partie d'un des catalogues. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin d'acheter le PDF. Le voici. Voilà. J'ai envie de me faire ce pull-là. Je le trouve vraiment superbe. Et par contre, alors attendez. Est-ce que. Oui, là, je vais vous montrer la pelote. Là voilà. Et voilà la pelote de laine. Donc ça c'est le coloris que moi j'ai choisi. Il y a d'autres couleurs. Voilà. Moi j'ai mis dans mon panier cette couleur-là. C'est la couleur du modèle qu'il présente. Voilà. Elle se tricote en 6,5. C'est la laine Kili. Alors bon, j'en ai qui m'ont dit ouais mais elles aimeraient pas parce qu'elles sont rondes. Bon moi aussi hein, je suis ronde hein, vous le savez. Il y en a qui n'aiment pas comment ça s'appelle, la torsade qui est sur le devant. Mais bon, on peut le faire sans la torsade hein, si on n'aime pas. Voilà, on n'est pas obligé de faire la torsade hein. On peut faire que du jersey. Voilà, mais moi j'aime bien ce modèle. En plus, ça va être un truc qui va se tricoter super rapide hein, en 6,5. Mais dans ma taille, à moi, il faut 15 pelotes. Donc, c'est une laine quand même qui a un certain prix. Alors, je sais plus exactement, je crois que ça doit être 7,10 € la pelote. Mais bon, avec les 15 euros de réduction, et puis moi, quand je commande chez Bergère de France, j'achète toujours avec mon PayPal, et comme ça, je peux payer en 4 fois. Comme ça fait moins lourd. Du coup, là, ça me ferait, en prenant un livre supplémentaire, plus les 15 pelotes, ça me fait 99 euros, bon, on va dire 100 euros. Mais je sais pas, j'ai craqué sur ce pull. Et voilà. Sinon, il y en avait un autre. Alors, peut-être que. Je vais regarder si je le vois là. Ça m'évitera de le chercher. J'en avais vu un autre de pull qui me plaît bien aussi. Alors, par contre, j'ai vu après. Il se fait en jersey en vert. Et ça, c'est pas mon point préféré. Alors, ah ben, regardez. Celui que je viens de vous montrer, il est dessus. Et voilà les couleurs de laine. Voyez. Il est où? Il est où? Il y a des beaux pulls. Alors, il y a du jacquard. Il y a beaucoup de jacquard. Enfin, beaucoup. Il y en a. Ah, voilà, c'est celui-là. J'avais vu celui-là. Mais en fin de compte, quand je re-regarde encore. Je craque moins du coup sur celui-là que sur le gros.
Et celui-là, j'arrive pas à faire passer. Pourtant, c'est une nouvelle laine. Et j'arrive pas à faire passer la laine avec les 15 euros. Donc, il doit y avoir un bug. Ouais, c'est ça. C'est 7,10 € la pelote. Donc, je sais pas. Bon, on verra bien. Mais dites-moi ce que vous pensez de celui-là. Donc voilà, mais bon. Si j'avais dit, hein, j'achète plus de laine, j'achète plus. Donc voilà mon avancée. Elle est trop. J'adore. Je suis trop contente. Et de toute façon, j'ai toujours mes pelotes de Mérinos 5 qui sont prêtes pour commencer l'autre pull, hein. Mais bon, j'attends. Voilà, alors celui-là, c'est bon, je vous l'ai montré. Ensuite, celui-ci. Alors, ça, c'est le pull Armel de chez Fildar. Non, ça c'est une. Allez, ça. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai peut-être. J'ai avancé. J'ai mis deux trucs. Ouais, et voilà. Donc, c'est celui-là qui compte. Voilà. Donc j'ai avancé tout ça. Ça me fait une quinzaine de rangs. Voilà. Il y a une quinzaine de rangs de fait. Donc c'est le devant de mon pull Armel. Donc j'ai super bien avancé aussi. Hein. Donc les emmanchures, elles sont là. Hop. Y a pas de, là, il n'y a pas de diminution ni rien. Il faut mettre un petit marqueur. Donc voilà. Mais j'aime bien. Regardez comment il est souple aussi, celui-là. Il n'est pas lourd, hein, rien. Hein, il est vraiment top. Donc celui-là, je vous en avais déjà parlé, mais je vous remonte. Je le fais avec le fil eucalyptus. Oh là. Attendez. Oh là là. Ah, voilà. Ah, bah alors. Ah, voilà. Excusez-moi. Le fil eucalyptus, donc 100% lyocell. Et c'est la couleur lagon. Donc cette couleur-là ne se fait plus par contre. Mais il y a encore d'autres couleurs. Pas énormément, mais il y en a encore d'autres. Voilà. Donc j'ai bien avancé dessus aussi. Ah oui, je vous dis, là, cette semaine, j'ai carburé mes tricots. Hein. Donc celle-là, elle se tricote en 6. Donc en plus, ça va vite à tricoter. Hop. J'aime beaucoup. Alors, j'avais regardé aussi cette semaine sur Fildart pour reprendre un colis mystère. Je l'avais mis dans le panier. Bah, il est toujours dans mon panier. Puis après, j'ai dit, oh, non, parce que bah, si il y a des trucs que je reçois, que j'aurais pas assez de laine pour me faire un pull pour moi, voilà, ce sera embêtant. Donc, j'ai pas. Du coup, j'ai laissé de côté. Et j'ai pas pris. Je préfère du coup me prendre ma laine chez Bergère de France. Quitte à prendre une laine pour un modèle, je prendrai plutôt voilà, celle de Bergère de France. Suis contente. Fière de moi. Oh là là. Alors, oui, certaines d'entre vous l'ont déjà vu. Mais je suis trop contente. Alors, c'est un pull qui est extrait de ce livre, Tricot pour les rondes. Voilà, c'est du fil d'art. Et moi, je fais ce modèle-là. Voilà, je fais ce modèle-là. Donc tout simple. Hein. Sauf que. Alors, je vais. Voilà. Sauf que. Il y a un plastron à faire.
avec des trous-trous. Mais trop forte. grâce à tous vos messages que vous m'avez mis, je vous avais dit moi et les trous-trous. J'y arrive pas. Enfin, j'ai déjà essayé, mais c'était moche. J'avais complètement abandonné l'idée. Et là, j'avais pensé le finir en jersey. Hein. Mais vous m'avez toutes mis en commentaire. Enfin, toutes. Plusieurs d'entre vous m'ont mis en commentaire les explications, comment il fallait faire et tout. Et aïe, vous êtes prêts? Tada! Voilà, j'ai fait mes trous. Je suis trop contente. Alors, mes trous sont faits. Voilà, bon, il n'est pas fini, hein. J'en ai encore à faire. Mais je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer plus près. Voilà. Je suis assez contente de moi. Mes premiers trous de tricot. Ouais, vraiment, je suis contente. Alors là, ça fait pas trop au milieu, mais parce que sur l'aiguille, c'est un peu resserré. Mais voilà, je suis super contente. Bon, après, quand il sera lavé et bloqué, ce sera mieux. Hein. Là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais non. Voilà. Mais de toute façon, sur le modèle, ça va comme ça. Hein. Les trous. Donc, je suis dans le bon sens. Et du coup, j'ai tricoté. Alors, j'avais commencé là. Et ben, j'ai tricoté tout ça. Je fais tous mes trous et tout mon jersey. Voilà. Regardez. Voilà. Je fais tout ça. Je suis vraiment contente. Non, il est top. Alors, bon, c'est un fil acrylique. Hein. Normalement, le modèle ne se faisait pas avec ce fil-là. J'avais commencé avec le fil qu'il fallait. Mais pourtant, je me suis fait un gilet. Je ne sais plus si vous vous rappelez. Fifi. L'année dernière, avec ce fil-là, c'était le fil diamant de Filda. Et là, avec le pull, il n'y a pas eu moyen. Je sais pas. La laine que j'avais prise. Bon, Fifi, s'il te plaît. Non, pas sur mes tricots. J'avais pris une autre couleur pour faire ce pull-là. Et je sais pas, j'avais l'impression que la laine était sèche ou je sais pas. Et du coup, j'avais pas réussi. Donc, j'avais choisi de prendre la first, voilà, la pingouin first. Bon, c'est pas du tout la même laine, mais au niveau métrage, c'était bon. Donc voilà. Mais je suis trop contente de mes trous. Voilà. Regardez, là, je vais avoir... Bon, là, le plastron va être un peu plus large encore. Hein. Voilà. Mais je suis où là? Allez. Hop, je suis là. Ouais, là il me reste 3 cm, je crois, à peu près 3-4 cm à faire. Non, 3 cm à faire. Et vous voyez, je vais arriver à l'encolure. Voilà, donc les trous vont encore s'élargir. Alors, il va falloir que je fasse attention parce qu'arriver à l'encolure. Faut que j'enlève les mailles centrales, donc 18 mailles centrales, et que je continue mes trous de chaque côté. Mais bon, ça ira, je pense. Mais là, je suis vraiment contente. Ah ouais, trop contente. Regardez.
c'est chouette. C'est trop chouette. Oui, après, je vous dis, il va falloir que je le bloque pour que le plastron se mette bien en place. Parce que là, c'est vrai que... Là, c'est sur l'envers. Que là, comme ça, on dirait que c'est pas droit. Mais voilà, vous voyez, quand je vais bien le bloquer, ça va aller. Déjà, là, en tirant un petit peu, on voit que ça se remet bien. Voilà. Premier pull avec de la fantaisie dessus. Bon, j'ai fait des torsades et voilà tout ça. Mais je veux dire, quand je parle de fantaisie, ouais, c'est ça, c'est les trous-trous. vraiment trop, trop contente. Je m'aime. Alors là, j'ai fait quand bon, j'ai fait beaucoup de rangs. Enfin, pareil, j'ai dû faire 20-25 rangs. Alors attendez, je vous dis ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 rangs. Qui la plus forte. celles qui font des tricots avec plein de dentelles et tout, elles doivent se dire, mais elle est en joie parce qu'elle a réussi à faire un triangle en trous-trous. Oui. Ah oui, pour moi, c'est vraiment top. Oh, en plus, j'arrête pas de le montrer à Chouchou. Je dis, t'as vu, j'ai su faire des trous-trous. Je lui montre au moins depuis. Cette semaine, j'ai dû lui montrer au moins 3-4 fois. Non, et je suis contente. Voilà. Donc, là, j'arrive bientôt à l'encolure, donc ça va. Une fois qu'on arrive à l'encolure, après, ça va encore plus vite. Hein, parce que bah, on partage et on fait un côté à la fois. Et je trouve que ça va plus vite. Puis après, bah, il me restera les manches à faire. Moi, les manches, je fais les deux manches en même temps sur la même aiguille. Ça va plus vite. Et en même temps, je risque pas d'oublier soit une augmentation, soit une diminution. Vraiment, je suis sûre que mes augmentations, mes diminutions seront au même endroit sur les deux manches. Voilà. Ben écoutez, on est arrivé au bout et on a dépassé les 2 heures. Non, mais je suis vraiment contente. C'est pour mes tricots cette semaine. J'ai super bien avancé dessus. On va continuer sur cette ligne parce que ben, j'ai vraiment envie de finir rapidement, mais. Celui-là avec les trous-trous, le pull armel, puisque là, le devant et je suis sur le devant sur les deux, donc là il me restera des manches longues à faire pour celui avec les trous-trous. Et là, le armel, c'est celui où je vous disais que j'avais peur, où il me faut, je fais des petites manches comme ça, et pareil, il y a des trous-trous et il y a des pattes d'épaule. Voilà, là il y a des pattes d'épaule avec des trous-trous et sur les manches aussi. Mais bon, ça devrait aller. Je suis confiante maintenant. J'ai confiance en moi. Je vais pouvoir faire des pulls un peu plus sophistiqués. Non, mais je vais pas. Hein, on va pas s'affoler. On va pas non plus dire qu'on va se faire un pull tout en dentelle. Je ne suis pas encore là, loin de là. Mais je suis super contente de moi d'avoir réussi mes trous-trous. voilà. Je vous remercie encore. Oh, excusez-moi. Je vous remercie tous encore pour m'avoir aidé justement pour mon tricot.
Et quand j'arriverai aux manches du pull Armel, bon, peut-être que j'aurai encore besoin de votre aide, hein, peut-être, on verra. De toute façon, vaut mieux demander de l'aide pour quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Je suis contente. Bon, il est 23h20. Ça fait 2h05 que je vous papote. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. J'espère que tout ce que vous avez vu dans la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, excusez-moi, hein, il est l'heure. Si vous avez des questions sur une broderie, bah, sur un tricot, voilà, que je n'aurais pas dit, bah, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Au passage, des poupousses, parce que les poupousses, ça fait connaître la chaîne. Plus il y en a, plus la chaîne est référencée. Voilà. J'espère qu'il y aura encore des nouveaux, des nouvelles qui vont s'abonner. Et n'oubliez pas non plus le concours. Vous retournez 2-3 vidéos en arrière, il y a le concours. Oh là, ça y est. Si vous n'avez pas... Oh, elle m'a fait peur. T'es folle, hein. Si vous n'avez pas encore participé au concours, vous pouvez encore jusqu'au 31 août. Voilà. Oh, il y a 3 gagnants dans le concours. Donc, ça vous donne 3 chances de gagner quelque chose. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Fifi est venue dire au revoir aussi, hein. T'es venue dire au revoir? Bah, dis au revoir. Bon, dis au revoir. Au revoir, les copains et les copines, à maman. Au revoir. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Je ne sais plus, elle m'a troublée, je ne sais plus dire ma phrase. Tu dis au revoir? Non? Bon. Ça y est, je dis au revoir pour elle. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.